Alors prenez la tape, prenez la main à la main gauche, tout ce que vous voulez, mettez pour ce que vous voulez.
pied, avec la voix, avec tout ce que vous voulez, et on fait exploser le flammomètre. Tous ensemble, on va commencer par les quatre tribunes, parce que, eh bien, elles vont bientôt arriver sur le parquet. Mesdames et messieurs, attention, à trois, c'est à vous, un premier test, 1, 2, 3, à vous. Mesdames, messieurs, c'est un échauffement, vous êtes pardonnés, mais maintenant ils sont là. Les deux coachs, il faut qu'ils nous entendent. Les joueurs, il faut qu'elles nous entendent. L'arena à 3, faites-moi exploser l'arena à 3, 2, 1. Thank you.
Allez,
Schärpe. Remplacé par Kristina Dobrovic. On a pris de l'avance là-bas. On a pris de l'avance. On va pouvoir les applaudir bien fort à Gilles Bayon pour un partenaire.
Mesdames, Messieurs, si on faisait un tonnerre d'applaudissements pour Anaël et Clara. Et maintenant, je voudrais voir un petit peu comment on est dans la salle. Je voudrais d'abord entendre les filles. Les filles à 3, 7, 3, maximum de bruit. Attention les filles, 1, 2, 3, à vous. Ouais. Je sens que les hommes, vous êtes en train de vous dire, on peut faire bien mieux. Alors il va falloir le montrer. Attention les hommes, à 3 pour vous, 1, 2, 3. Bon. Thank you.
Applaudissements pour la troupe d'ensemble. Allez, mesdames et messieurs, hein, on va faire simplement, il y a juste à répéter. Un peu plus fort, hein. Allez, un peu plus fort. Remise en jeu, Cathy Lasseau. Thank you.
Thank you.
Paris en basket. N'hésitez pas à aller voir toutes les équipes bénévoles pour vous rafraîchir, vous restaurer. Et on se retrouve dans un peu moins de 15 minutes pour tout simplement la deuxième.
messieurs, je vous rappelle bien que le prochain rendez-vous, ce sera mercredi prochain, 29 novembre, ici même, avec la réception des jeunes en entretenant dans les placements dimanche du côté de la Troupe-Pied. Et dès le dimanche suivant, le 3 décembre, la réception dans le groupe basket Bourget qui sera ici sur le parquet de la Grignette Arena du 3 décembre à 17h30 pour la prochaine journée avec aussi une avance à la Coupe d'Europe. On vous rappelle également le rendez-vous à Arlène. Le Trotter sera lieu, et bien sûr, aura lieu en 2023, le 16 mars ici à l'Arena également. Le rendez-vous d'Arlène, le Trotter, c'est le 16 décembre. Le 16 décembre, il y aura ici également à l'Arena la réception de Rochefort, le dernier match, le match de l'année, le dernier match avant les quelques temps d'année, le dernier match de l'année 2023 ici à l'Arena, les plein de cœur d'eau recevront l'équipe de Rochefort. Et en même temps, ce même soir, il y aura la corrida de Charleville-Mézières. Simplement pour vous informer que les inscriptions pour la corrida sont ouvertes. La corrida de Charleville-Mézières, ville sportive, ça aura lieu également le 16 décembre. La corrida de Charleville-Mézières, les inscriptions sont ouvertes le 16 décembre. Donc, nous rendons vous aussi contre Roche-Bandé. Voilà, tout le programme vous est donné pour la fin de cette année 2023 et l'année 2024 qui s'avance également.
applaudissements pour Amel Pereira. On va passer par Chez Collet. Thank you.
derrière, elles vous entendent. Elles ont besoin de votre soutien. Vous êtes capable de le faire. Alors avec le corps que je viens de faire le basket. Et avec les mains, les blocs. Les blocs. Tout bon. Thank you.
Et on relance les points pour les applaudissements pour chaque collègue. Tout simplement. Allez!
temps, votre rôle est important. Tout le monde. Thank you.
Thank you.
sont chauds, l'arena. Alors on peut continuer, même pendant les lancers francs. Les flammes! Les flammes! Thank you.
Mais alors, l'arena, simplement, il va pas falloir faire des fautes pour avoir rien en cette fois, donc rien n'est perdu. Et après, il y aura une dernière possession. Alors oui, vous savez faire avec la voix, avec les mains. Tiens, on va faire juste ça. Les flammes. Quatrième petite équipe qui aura donc de lancer franc. De lancer franc pour l'équipe de Cagliasse. Lancer franc. Elise Ramette. Et à trois, faire un maximum de bruit. On commence par...
amis. Attention, 1, 2, 3. Là-bas, ils sont aussi lents. Hein. On va les voir pour les réveiller un petit peu. Attention, 1, 2, 3. Ils sont assis, mais ils font du bruit aussi ici. Et maintenant, on va les voir là. Je sais qu'ils vont vouloir aussi faire énormément de bruit avec le COP, avec les abonnés, avec tout le monde. 1, 2, 3. Et maintenant, toute l'arena. Je vous ai pas oublié, hein, mais je sais que vous allez participer avec tout le monde. 1, 2, 3. Et maintenant, même la voix. Allez, les jeunes, les supporters sont là. Thank you.